Hey salut les potes, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien les amis. Moi aujourd'hui ça va super, regardez ce que j'ai reçu. Aujourd'hui on va s'ouvrir la nouvelle boîte du coup, l'impact du chaos. Donc la nouvelle série classique que Konami nous a sortie. Donc c'est le retour des belles gladiateurs. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de vous faire l'ouverture assez rapidement parce que je sais que c'est parfois long. Donc on va passer directement à l'ouverture et je vais vous montrer un peu tout ça. Et du coup, voilà la fameuse boîte, l'impact du chaos. Donc on va s'ouvrir ça en espérant avoir une fameuse prismatique, pourquoi pas, parce que c'est vraiment les nouvelles raretés qui sont très intéressantes depuis deux séries. Donc hop, je vais ouvrir ça, j'arrive pas à ouvrir. Hop. Toujours un peu pénible à ouvrir les boîtes. Allez, tac, la voici. Donc évidemment, on a comme d'habitude toujours 24 boosters et 9 cartes par booster. Donc ça, c'est génial. On va s'ouvrir une première pile. Hop. Allez, on n'attend plus, c'est parti. On fait toujours la petite manipulation, rien n'a changé. Et alors, on commence avec Criquet Pèlerin. Ok. Commune, synchro, très bien. Hop, décaler ça là. Héritage du monde, clé du monde. Luna, l'esprit noir. Bringir. Dino Luther, Valeonix. Là, je ne lui dirai pas le nom, hein, parce que franchement, vous abusez. Hein. Allez, on commence avec Mandarin, Marin 16. Donc ça, c'est très bien pour le deck de Blue Maiden. Ok, la première rare. Et ensuite, on aura Gimzek, Yata, l'avant-garde étincelante. En rare du coup, en super rare pardon, et on aura réassemblage du monde. Hop, je vais mettre les petites raretés ici, tac, on enchaîne. Donc vraiment on va essayer d'aller chercher une carte prismatique puisque ça tombe vraiment pas souvent les amis, donc on va espérer avoir de la chance. Donc là, du gladiateur, prélèvement d'âme, baïonnetteur, le canon fatal, avion de patrouille, Dédé. Action magique, double dévers. Électro-train. Ange des mers, marin 16. Du coup, ça, je crois que c'était la carte promotionnelle du pack édition spécial. Hop. Du coup, vent béni en rare. Et derrière, on aura sacrifice paisible. Qui ressemble à l'objet de sacrifice inutile. Ok. Donc pour l'instant, on a que des super rares. On continue. Ça va bien réussir à tomber, vous inquiétez pas. Comme vous avez pu le voir en fond, du coup, j'ai une deuxième boîte, mais ça, je l'ouvrirai, je pense, hors vidéo. Donc, ou alors, je la garderai. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ça dépendra de la pioche. Papillon Séraphin. Cœur de merveille. Marin 16. Donc ça, c'était la deuxième carte promo de l'édition spéciale. Héritage du monde, clé du monde. Brinegir. Chambre abominable des désenchaînés. Donc, désenchaînés, c'est le nouvel archétype que la display va nous apporter. Si j'ai bien suivi... Dragon Nébuleuse, il est beau. Il est beau, je pense qu'il y en a une qui va sauter dessus. Et derrière se cache... Ouh, le dragon pare-feu de fluide sombre. Les amis, là... Oh, regardez-moi ça. Ça fait plaisir, je vous la montre ici. Tac. Waouh. Donc ça, c'était vraiment une secrète que je voulais dans cette boîte. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, c'est le monstre de l'illustration de la display. Donc le dragon pare-feu de fluide sombre... Dès le début, c'est vraiment très très bien. Donc c'est la première secrète que je tape de cette série. Donc je suis super content. On va la mettre directement sous la pochette. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une des premières liens 5. Donc c'est une rang 5 ou moins 5, je sais pas comment on dit. Mais du coup, c'est très intéressant. Faudra regarder un peu plus son effet. Allez, on enchaîne, ça commence plutôt bien. Si je pouvais l'avoir en prismatique, celle-là, ce serait encore génial. Enfin, ce serait parfait. Honnêtement... On va pas se mentir. On continue avec Queue en couronne, marin 16. Jardinage d'aroma. Du gladiateur du coup. Interface Gartna. Action magique double dévers. Coquille brûlante salamandrande. Donc nouvelle carte pour les salamandrandes, c'est très bien. Chaudron du vieillard. Sagittari, bête gladiateur. Du coup voilà le nouveau support pour les bêtes gladiateurs. En rare. Et derrière, l'œil maléfique de Gorgoneo. Ok. Allez. Hop. J'espère vraiment avoir de la chance jusqu'au bout. Pour l'instant, ça commence très très bien. Allez, Marjolaine, arômage.
Pour les cartes communes, je vous fais la présentation pour la moitié de la display. Après, je passerai un peu plus vite comme ceci. Miroir des rêves du chaos. Spirale galactique. Tekion. Jumelles désenchaînées. Du coup, voilà les nouvelles cartes désenchaînées. Donc, on a Rakea. Je ne sais pas ce que ça vaut, ces cartes. Donc, je m'en renseignerai. Et derrière, on aura Gorgone, impératrice de l'œil maléfique. En super rare. Ok. Et derrière, la petite commune, l'étoile brûlante. Allez, on continue. J'attendais depuis longtemps cette petite série. Hop. Clé du monde, on l'a déjà eu. La marin 16. Ghoul Astra. Primérial. Ok. Mimikuril. Evoltil. Ah d'accord, on a une nouvelle carte Evoltil. Je ne savais pas qu'il y avait ça dans cette boîte-là. C'est plaisir de les revoir. Alors, Dragon sur Explo. Ok, donc c'est une nouvelle carte pour les monstres roquettes. Ça, c'est très bien. Et derrière, Panthère de laboratoire. Donc ça, c'est la carte ultra rare. J'avais vu pour les bêtes gladiateurs. Donc cette carte va vraiment essayer de booster, je pense. On a déjà eu une carte lien pour les bêtes gladiateurs, mais là, ça va être très intéressant. Allez. On enchaîne avec Neige Marincès, Jardinage Aroma, du Dino Lutteur, Chaudron du Vieillard, du Désenchaîné, Ruée de Broyage. En rare, du coup, on aura Oniromancie du Miroir des Rêves. Ok, et derrière, on aura du Miroir des Rêves encore avec une nouvelle carte. Ce sera Fantasos. Ok. Et Océan de Combat Marincès, qui était aussi une carte en super rare de l'édition. Okay. Et on continue direct avec Pioneer le canon fatal, Prométhéor l'étoile brûlante, Prélèvement d'âme, Avion de patrouille TD, Miroir des rêves du chaos, Interface Gardena, Evoltil du coup, en rare Bête Gladiateur uni, donc encore une carte pour les Bêtes Gladiateurs, et derrière on aura du Miroir des rêves, donc ce sera une carte fusion en super rare. Hop. Allez. Tac, Marin 16, Papillon Séraphin, encore une clé du monde, donc globalement les communes on va les retrouver à chaque fois en quantité. Atorix, Bête Gladiateur, ok, et derrière, du Miroir des rêves encore, donc ça c'est dommage, je suis pas fan des Miroirs des rêves. Hop, on va enchaîner. Bête Gladiateur, ça me dérange pas, c'était un deck que j'aimais beaucoup à l'époque. Tout ce qui est old school, j'apprécie un peu plus. Dragon Galaxy Spiral, donc Criquet Pèlerin, Ghoul Astra, Dragon Blindage Chauban, Bye Bye les dégâts, Ange des Mers Marincès, Dino Lutteur encore, Emmêlement Spirituel, ok, et derrière, on aura encore la carte Miroir des Rêves en super rare. Allez, il nous reste deux boosters de cette première partie. Hop. Est-ce qu'on va continuer sur quelque chose de très intéressant? Luna, l'esprit noir. Nomachi de gladiateur. Ok. Cœur de merveille, Marincès. Du chenil infini. Evoltil. Veille, esprit. Dragon sur Explo. Ok. Ça, c'est un très très bon dragon. Et derrière, on aura. Ok. 12 marjolaines. Aroma séraphique. Ok. Donc, ça, c'est pour les aromages. Avec l'héritage du monde, du coup, en commune derrière. Voilà, allez, on part sur le dernier booster de cette première partie, après j'ouvrirai la deuxième pile. Pour l'instant, c'est timide, mais enfin, c'est pas dégueu à la fois, puisqu'on a tapé quand même une jolie secrète. Ghoul Astra, Neige Marincès, Marjolaine Aromage, Cascade Marincès, Spirale Galactique Tekion, Collisionneur de Suppression, c'est ça, Bye Bye les dégâts, Atorix, Bête Gladiateur et derrière... On aura en ultra rare Draco Maître des Tani. Donc ça c'est très très bien aussi. Ok. Allez, du coup on est reparti pour la seconde partie. Du coup avec 12 nouveaux boosters. On est reparti pour avoir du lourd. J'espère vraiment que ça a bien fonctionné. Techniquement il nous manque une secrète. Après est-ce qu'on peut taper une prismatique J'ai envie d'y croire. Franchement j'ai envie d'y croire mais au vu du quota de l'ancienne boîte je m'attends pas non plus à des miracles. J'avais eu une prismatique, en deux displays j'en avais eu une,
j'avais eu vent Verdun. J'étais très content, c'était la première boîte que j'ouvrais et je tape la prismatique direct. Pet Gladiateur uni en rare et derrière du Miroir des Rêves. Ok, voilà. Miroir des Rêves, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup dans cette boîte quand même, beaucoup plus de bêtes gladiateurs. Allez, danse avec les bêtes, donc les communes, je pense qu'on a fait le tour, donc je vais vous les passer. Hein. Hop, Chaudron du Vieillard, Atorix Bête Gladiateur, donc voilà, je pense que c'est la troisième fois qu'on l'a, celle-là, et derrière. Ouh, Tank Bleu Marin 16, donc là voilà, la seconde secrète. Ok, donc là, bah, moi je suis content puisque je cherche les cartes Marin 16 pour le deck de Blue Maiden que je vous présenterai prochainement. Hop, donc ça c'est très très bien, donc je pense qu'on a la deuxième secrète. Si le quota après me le permet, peut-être on peut toujours avoir la carte prismatique, donc ça on verra bien. J'ai jamais eu plus de deux secrètes après dans une boîte, donc je m'attends pas à une troisième, après on sait jamais. Allez, Marjolaine Aromage. Piqué Pèlerin, hop, on passe, Chenille Infini, Gear, ok, Cascade Marin 16, Jumelle Désenchantée Rakea, du coup, qu'on a déjà eu, et derrière, Spectre du Miroir des Rêves, ok. Oh. Alors, Ghoul Astra, Papillon de Séraphin, Princesse, ok. Bruit de voyage, action magique. Alors, on a Mandarin Marincès, ok. Et derrière, du Miroir des Rêves, encore une fois en super rare. Vous voyez, ça fait un peu beaucoup de Miroir des Rêves. Donc ça va peut-être pimenter un petit peu la base qui nous avait sorti hop, juste avant. Personnellement, je ne joue pas ce genre de deck. Donc ça partira à l'échange, probablement. Jardinage d'arôme. Ok. Prométhéor. Du désenchaîné. Interface Gardena. Tour de paix gladiateur. Du spirale galactique. Alors, Sagittari, bête gladiateur. Et derrière, rejet du gladiateur en ultra rare. Très très belle carte. Alors, les bêtes gladiateurs, je pense que je vais les garder parce que ça, j'ai un deck du coup de cet archétype là. Donc, je pense que je vais voir si ça booste vraiment ou pas. Je regarderai les effets, comme d'habitude, j'étudierai tout ça après. En attendant, je me fais plaisir, j'ouvre tout ça. Allez. Cube Gladiateur encore. Dragon Galaxy Spirale. Bye bye les dégâts. Chenille Infini. Dragon Blindage Coban, je sais pas si on l'avait eu celui-là. Transcendance Salamangrande, très très belle carte, waouh. Magnifique, moi je trouve ça super beau. Et derrière, on aura Cœur de Cristal Marin 16 que je n'avais pas du tout. Donc ça, ça va aller booster le deck également. Allez, très bien. Allez, on arrive presque à la fin, les amis. Konami va-t-il me faire le cadeau de m'offrir une prismatique? Bah, je vous conseille déjà de rester jusqu'au bout. Après, vous verrez. Jardinage d'aroma. Restez jusqu'au bout si vous voulez voir le suspense. Dragon Serexplo, ok, et derrière, on aura, pour la troisième fois, la fusion Miroir des Rêves en super rare. Ça, c'est vraiment dommage. Allez, il nous reste 5 boosters. J'y crois encore. Honnêtement, j'y crois encore, on sait jamais. La dernière fois, j'avais eu presque U sur la fin et je m'attendais plus à grand-chose et on avait tapé la prismatique, donc on sait jamais. Dragon Galaxy Spirale, Bringir. Chenille Infini, Mimikou Krill, Dragon Nébuleuse, donc voilà, j'en ai eu un deuxième, donc ça partira et du coup pour la personne intéressée, et l'œil maléfique de Gorgoneo. Ok. Et derrière, une petite commune, l'héritage du monde. Hop. Alors. Luna, l'esprit noir. L'océan de combat Marin 16. Voilà, je pense vraiment que j'ai dû avoir toutes les communes de la série, donc ça c'est plutôt pas mal. Coquille brûlante Salamangrande, Dragon Surexplo pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus. Et derrière, on aura l'impératrice de l'œil maléfique, donc c'est Gorgone en super rare qu'on avait déjà eu, il me semble.
Allez, plus que 3 boosters. S'il vous plaît. Hop, cric et pèlerin. Dites-moi en commentaire hein, si vous en avez ouvert de ces boîtes et si vous avez tapé une fameuse prismatique et en combien de boîtes, ça m'intéresse parce qu'au niveau du quota, on sait pas vraiment encore. Hein. Sagittari Bay Gladiator est derrière. Hop, Miroir des Rêves en super rare, donc c'est Fantasos. Et derrière, une carte Marincès en commune. Plus que 2 boosters pour faire vibrer la caméra. Hop. Bon après, honnêtement, là je commence à plus trop y croire. Danse avec les bêtes. Évasion des désenchaînés. De l'arômage, ruée de bricolage, cascade Marincès. Ange des mers Marincès, toujours. Hop. Alors, je l'avais pas eu celui-là. Donc c'est Escadrille des longues oreilles. Et derrière, on aura... Oh, il est beau lui. Draco Berserker du Tenny. Donc une carte ultra rare. Je vais mettre directement sous pochette. Ça s'abîme tellement vite. Et le dernier, les amis. Le dernier pour espérer quelque chose de très lourd. Et j'y crois plus trop. Donc on verra. Après j'ai une deuxième boîte, donc je sais pas si je l'ouvrirai. On peut toujours espérer quelque chose. Criquet pèlerin, dragon galaxie spirale. Voilà. Primérial. Alors, canon de gelée. Et attention. Et ce sera sacrifice paisible en super rare. Dommage. Dommage, dommage pour ça, les amis. Et bien voilà, pour moi, on a fait le tour, globalement. Donc, j'aurais eu les deux secrètes que je vous présente ici. Donc, je suis très content pour le dragon pare-feu de fluide sombre. Bah, et tank bleu Marincès, c'est très bien. Ça viendra dans mon deck directement également. Donc, deux très bonnes secrètes qui, pour moi, bah, déjà, je vais les garder, ça, c'est sûr. Je vais les garder, donc rien sera à la vente ni à l'échange pour ces secrètes-là. Pour le reste, je sais pas, je vais étudier tout ça. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, les potes.